Bonjour, bonjour, c'est Stéphanie, on se retrouve pour une vidéo Avis Film. Pour ce soir, c'est un film qui est sorti le 21 avril 1995. Il dure 1h25, un film action, drame, arts martiaux et thriller, un film de Christian Petersen avec Mark Lazarus. Je vais vous parler de Kickboxer 5. Sur 5, la rédemption pour montrer à sa propre fédération de kickboxing, l'organisateur Megali a reçu à des mentions radicales. Les champions de qui refusent ses offres sont punis et simplement éliminés. Matt Rêvé permet en Afrique du Sud pour les compétitions interdites de kickboxing sans règlement. Voilà, on apprend au début du film que David Sloan est mort. On ne sait même pas pourquoi, comment il est mort. Et il y a un jeune, je crois ça, un copain, lui, Matt, voilà, Matt. Il apprend ça et il a un copain lui aussi va se faire tuer et c'est là qu'il va voir qui est l'organisateur en Afrique du Sud. Là, il va aller là-bas et après il va avoir de l'aide d'un ancien détenu qui devait être permis de le tuer. Après ils se font une alliance avec sa sœur en Afrique du Sud et ils vont essayer de voir ce qui se passe en Afrique du Sud. Et c'est là qu'ils voient mystérieux organisateur. Enfin, c'est un ancien champion de kickboxing, mais il a triché, il a tué une personne. Et il récupère toutes les ceintures de ses champions et élimine. En fait, c'est une espèce de collectionneur champion de kickboxing. Après, qu'est-ce que je peux penser de ce film? Moi, j'ai pas trop aimé ce film. C'est le plus mauvais des films, mes amis, de plus mauvais des cinq des cinq kickboxing. C'est pour ça que je mettrai une note de une étoile. J'ai pas trop aimé le scénario et puis on apprend dès le début que David Sloan est mort. On ne sait même pas pourquoi. On voit même pas sa mort. C'est un peu décevant quand même. Et voilà quoi. Voilà quoi. Mais après, à part ça, ouais, c'est un film décevant. C'est le moins bon des cinq kickboxers pour l'instant. Voilà. Bon allez mes amis, moi je vais vous laisser, il se fait tard là, et moi je vais aller me coucher, et moi je vous dis à la prochaine, vive le cinéma, et bye bye.